Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maman Pas Organisée, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo et je reviens avec un big haul action avec beaucoup de décorations. Donc restez jusqu'à la fin pour voir mes achats et peut-être que je vais vous donner certaines idées de décorations aussi. Donc allez, je vais arrêter de parler. Non, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à mettre un petit like, ça serait vraiment super sympa de ta part. Et je commence. Alors, j'ai pris, cette petite plante là avec le petit vase. J'en avais pris, la semaine dernière, j'avais pris celle-ci. Et là, je les ai trouvées comme ceci avec ce vase-là. J'en ai pris deux. Donc, j'ai toujours pris blanc. Là, j'ai ouvert parce que je vais mettre une petite déco à l'intérieur. Comme ça, ça fera un petit style. C'est un peu personnalisé, quoi. Donc, du coup, celui-ci, hop, il y a beaucoup, les amis. Regardez-moi le plaid, comment il est magnifique. J'ai pris cette couleur gris, parce que moi, je suis dans le gris. Il est super doux. Regardez-moi les petits détails, hop, du plaid. Et ça, c'est flemme quand il fait froid le soir ou le matin. Eh ben voilà, le petit plaid pour se couvrir, ça fait toujours plaisir. J'ai repris les petites tablettes comme ceci. Ils étaient en semaine promo d'action la semaine dernière. Là, non, ils n'y étaient pas. Donc, j'ai pris la petite. Et j'ai pris également, hop, tu peux me tenir ça, merci, je ne suis pas toute seule. Et j'ai pris la grande, donc celle-ci, elle est beaucoup plus longue. Et ça, c'est pour mettre dans le couloir. Hop, j'ai pris, je vais arrêter de dire j'ai pris, parce que je les ai achetés. Hein. La terre, comme ça, les petits galets, comment on appelle ça? Les petits trucs de déco, et ça, je vais l'utiliser pour le petit pot de fleurs que je vous ai montré. Et je l'ai pris en noir aussi. C'est super beau. Donc, on va faire de la petite décoration. Hop, que ça tombe pas. Pour les mioches, les petits styles de... Comment s'appelle la marque là? Capri Sun, mais de la marque Action. Donc, celui-ci, il y en a combien à l'intérieur? Il y en a 8. Oui, hein, je sais pas. Ouais, il y en a 8. J'en ai repris un deuxième. Donc, ça sert toujours. Et je vous assure, comment c'est doux. Oh là là, c'est trop bien. Ils étaient pas chers. Hein. J'ai plus le prix, mais... Bon, on sait que Action, c'est pas cher. Je l'ai enfin trouvé. Le produit de la moisissure, anti-moisissure, je l'ai enfin trouvé. Le rayon, il était blindé. Donc, j'en ai repris un. Et celui-ci, donc, dans vos salles de bain... Et aussi, c'est un détachant pour textile, mais spécialement pour le blanc. Ne l'appliquez pas surtout sur de la couleur, parce que ça va... Il y a de la javel dedans. Donc, votre couleur, ça va déteindre et c'est pas ce qu'on veut. J'ai pris... J'ai dit que j'arrêtais de dire j'ai pris, mais bon, c'est pas grave. Le parfum de linge de la marque Fabulosa, Coco, celui-ci, pour moi, c'est la valeur sûre. Et je n'achète que celui-ci et j'achèterai que celui-ci tant que je le trouve parce que c'est une tuerie. Bien évidemment, vous savez pour qui c'est la crème, pour ceux et celles qui me suivent depuis le début. C'est bien pour ma fille, donc pour ses boucles. Et cette crème, elle est vraiment, elle est top. Franchement, je vous la recommande à 100%. Elle est géniale pour avoir de très belles boucles. Je l'ai enfin trouvée et je suis trop contente. Le gel à l'aloe vera. Donc celui-ci... c'est pour body, face and hand, donc le corps, visage et les mains. Mais vous pouvez également, moi perso, je l'utilise sur mes cheveux. Donc quand vous voulez plaquer vos cheveux et tout, avec ça, franchement, ça marche du tonnerre et c'est super. Ça, ça marche du tonnerre. Oh là là, le truc que j'ai pas dit, mais bon, c'est pas grave, c'est super. Et si vous le trouvez, prenez. J'aurais dû en prendre plusieurs, j'en ai pris qu'un. C'est pas grave, si j'y retourne la prochaine fois que j'en trouve, je reprendrai aussi. Alors, j'ai trouvé ce produit. Moi, les nouveaux produits Action, il faut que je les teste. C'est un dégraissant senteur lavande. Donc, c'est un nettoyant. Je vous dis ce qu'il y a écrit. Nettoyant puissant multi-usage. Donc, lavande et en savon, au savon de Marseille, il me semble. Ouais, lavande et savon de Marseille. Donc, à voir ce que ça donne, à tester. Ça, je vais l'utiliser, je pense, dans la cuisine parce que super dégraissant, c'est plus pour tout ce qui est plaque, vitraux et induction. Donc, on va tester sur ça. Le côté gourmand des KitKat Mini.
Nous avons également les Smarties. Et il doit y avoir un paquet de Twix qui est déjà ouvert. Parce que quand j'avais un petit creux dans la voiture. Donc, le Twix, je le montrerai tout à l'heure. Ma crème pour le visage préférée de chez Action, c'est celle à l'aloe vera. Donc, vous l'avez en pot. Je vais vous montrer. C'est 110 ml. Vous avez le pot comme ça. Hop. Ou sinon, vous l'avez en style de pompe. Mais je sais pas, moi, je préfère la... Pourtant, je pense que c'est la même chose, mais avec la pompe, j'aime pas. Je préfère le petit pot. C'est que mon avis personnel. Petite nouveauté que j'ai trouvée à Action. Mais les amis, si vous avez l'occasion d'y aller, oh, le gel douche. Oh, mais il sent à l'orchidée. C'est la senteur orchidée. Et franchement, c'est une marque italienne. Hein. C'est Dermomed. Bon, c'est écrit en espagnol. En italien, pardon. Et il y a 750 millilitres. Et il y a différentes senteurs. Il y avait lavande, il pue, clair. Il y en avait un noir, mais je ne sais pas ce que c'était. Mais l'orchidée, c'est une tuerie. Il sent trop, trop bon. De la glu. Voilà. Vous savez, c'est pourquoi, hein, la glu. J'ai pris ces chiffons, comme ça, pour nettoyer. Qui a nettoyé, hein. Alors, il y a marqué chiffon universel, ultra absorbante et résistante. Et c'est vrai qu'elles sont bien. Et elles sont pas chères. Bien évidemment, je l'ai trouvé. Je suis trop contente. C'est l'élixir à l'huile d'argan du Maroc. Et ça, les amis, en fait, comment vous l'utilisez? Vous mettez juste une petite noisette sur votre pomme. Et en fait, vous allez l'appliquer sur les pointes. Sur cheveux secs ou mouillés, mais il n'est pas à rincer. Vous le rincez pas après. Vous mettez et vous allez voir vos cheveux comment ils deviennent. Mais franchement, ils sont trop trop beaux. Surtout celles qui ont des boucles, je vous les conseille. Donc ça, j'enlève. On arrive. Hop. Regardez-moi cette déco. Elle est pas trop belle. Oh, elle est magnifique. Là, vous avez du gris, du rose poudré, du doré. Il existe aussi avec noir. Gris et doré, je crois que lui il est noir de base, et mais il est pas trop beau. Oh, je regarde ce que ça donne là en décoration, c'est trop beau. Donc ça, hâte de l'accrocher, j'ai trop hâte. Et vous savez quoi, avec quoi je vais l'accrocher? Avec le scotch que je vous avais montré, super résistant. Ah, mais ce scotch, les amis, c'est une tuerie. Je vais vous en faire une vidéo je crois, une fois que je vais finir ce haul. Je vais faire une vidéo de ce scotch. Je vais vous montrer ce que je vais coller. Et ça marche. Ça résiste à plus de 25 kilos. Enfin bref, je vais l'arrêter. J'ai repris ces éponges parce que à Action, on les trouve, faut les prendre. Ça, comme je vous ai expliqué, juste avec de l'eau. Et ça nettoie tout. Du coup, j'ai pris à l'orange. Je sais jamais comment ça s'appelle. Les blocs cuvettes, voilà. Les blocs cuvettes 7 en 1, il y en a 3 à l'intérieur. Donc j'ai pris ça. Où il y en a, les amis, hein. Ouh là 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 là. J'en ai fait des achats. Ça, c'est la deuxième que je vous avais montré. Donc hop et hop. Voilà. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo décoration de ce que j'ai fait à Action, bah, moi avec plaisir, franchement, je vous la fais. Vous me dites en commentaire. J'ai pris Narta Homme. C'est pas pour moi, je suis pas un homme. Vous savez très bien. Bon, ça, il y en a deux. Moi, je vous dis, je trouve, je prends en double. Ah, moi, je suis méchante, maintenant, je laisse plus pour personne. Je me suis fait assez avoir. J'ai pris également cette crème à l'huile d'argan aussi. Voilà. Il est bien, j'aime bien cette petite crème pour... ça c'est pour, vous savez, tout ce qui est crème pour cheveux, moi c'est pour ma fille parce que c'est pas pour moi, mais c'est pour ma petite. Ensuite, hop, donc le grand paquet de Twix qui est déjà ouvert, hein, je vous l'avais dit, ils se vendent par 10. Alors, il y a le sac à dos, voilà, petit sac à dos. Ce sac à dos, je l'ai pris, c'est pour ma fille. Pour savoir quand elle va en sortie, parce qu'ils font des randonnées, des sorties à droite, à gauche pour mettre le pique-nique et tout. Elle avait celui de son frère et du coup, elle m'a dit, ah non, je voudrais le mien. Du coup, je lui ai pris le petit rose comme ça, il est pas mal, il est mignon. Elle va être contente. C'est le principal. Gel douche.
J'ai pris à la coco, celui-ci. Ils sont trop bons. Ils sont trop trop bons. Et j'en ai pris deux. Hop. Voilà. Et ceux-là, ils sont dans la semaine d'action. J'ai plus le prix, les amis. Hein. Le ticket de caisse, je ne l'ai pas pris. Mais je sais plus. Bon, bref. Si je m'en rappelle, je vous le note. Des petits rasoirs. J'ai repris la poudre blanchissante, vous savez, le dernier haul, j'avais pris les lingettes, je m'étais trompée. Je pensais que c'était le sachet de blanchissant. En fait, là, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc ça, vous le mettez au fond de votre tambour, vous mettez votre linge, vous mettez votre lessive, vous laissez tourner. Une fois que c'est fini, vous enlevez bien sûr le sachet directement, vous le jetez et votre linge, il est comme ça. Très très blanc, comme mon t-shirt. Alors, j'ai trouvé ça. Hop, c'est, vous savez, c'est des... alors, je vais vous dire ce qu'il y a marqué comme ça. Je vous dis, des sachets désodorisants. Ça sent, et vous avez différentes senteurs, vous avez la rose... Moi, j'ai pris orchidée, il y avait lavande et il y en avait d'autres. Et ça, ça sent super bon. Ça sent le frais. Et du coup, moi, je vais le mettre dans mes toilettes. Normalement, ça se met dans les placards avec le linge et tout. Mais moi, je vais le mettre dans mes toilettes parce que ça sent trop, trop bon. Au moins, il y a toujours cette bonne odeur diffusée dans les toilettes. Vous voyez de quoi je parle. Hop, j'ai pris du miel. Voilà, c'est du miel. J'ai... Rien d'autre à dire, il y a 350 grammes dessus. Donc, voilà. Bah, du coup, j'en ai pris deux. Ah ouais, moi, j'avais oublié que j'en avais pris deux. Bah, du coup, j'en ai pris deux. Parce que, après ce produit, c'est rare qu'on le retrouve. Hop. J'ai repris sac poubelle, mais il n'y avait plus les 60. Il restait des 50, donc j'ai pris des 50. Donc là, hop. Donc, et là, vous avez le fond. Ça se met au fond du sac. Ça c'est bien ça, comme ça au moins il est bien rigide. Si elle veut le poser par terre, ça va tenir. Et il me reste un dernier sac à vous montrer et on va avoir fini, les amis. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes achats. Regardez ma petite brioche là, hop 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 hop, on va ranger ça. J'ai pris des petits écouteurs comme, écouteurs, non c'est pas des écouteurs, c'est un casque. Donc ça c'est pour mon fils, parce qu'avec l'école il travaille sur les tablettes, mais tout ce qui est mathématiques et tout, et il veut avoir un casque pour pouvoir se concentrer et tout ça, donc il me l'a demandé, je lui ai pris, donc tant que ça reste avec l'école, je dis oui, et il est pas cher, hein, il est à 4,95€, 5€, donc ça va. Hop, alors le câble il fait 1,02 m. Foldable, ça veut dire qu'il est pliable, il y a le microphone et vous avez la prise jack. Donc ça c'est top. Hop, ça là, ça c'est une pépite. Petit liquide vaisselle, ça c'est la base de chez Action. Des élastiques, parce que... Ah, si vous avez, vous savez quand vous avez des filles, vous mettez les élastiques et après vous les retrouvez plus. J'ai pris ça, c'est quoi? C'est les pastilles à la menthe, là. Hop, j'en ai pris deux de la marque Eaker's Mind. Voilà, avec mon accent éclaté. Voilà, hop, j'en ai pris deux. Hop, je vais vous montrer. Là, vous le voyez, mais je vous le montre à la fin. Il est trop beau, c'est mon coup de cœur, il est magnifique. J'ai repris les petites bougies comme ça, là, en boule. Elles sont pas trop belles, celles-ci. Et j'ai vu aussi, à Action, ils les ont sorties avec la LED. Donc vous appuyez en dessous et vous avez de la lumière. C'est pas avec le briquet. Donc c'est trop beau. Je les avais achetés en vert, là en blanc. En ce moment, je sais pas, je suis une fixette sur les fleurs et sur les bougies. Au moins s'il y a une coupure d'électricité, je manque pas de bougies moi. Ça c'est là. Regardez la petite beauté que j'ai trouvée en décoration. Pas trop belle. Magnifique. Et c'est encore un bougeoir, bien sûr. On va mettre des petites bougies, hein. Ça, regardez. Regardez. Regardez-moi ça. Trop beau. Là, c'est la photo de comment ça rend. C'est magnifique. Ça, je vais la poser sur ma table basse. Ça va être trop beau. Canon. Ah, oh, je suis trop fière de mes achats. Oh là là, vous savez pas comment je suis. Je suis trop contente. Et le meilleur pour la fin. Et le meilleur pour la fin.
c'est le dernier que je vais vous montrer. Regardez-moi cette pépite pour moins de 10 euros. Quand je vous dis moins de 10 euros, c'est moins de 10 euros. Hop. Regardez-moi ça. Hop. Ils appellent ça Aroma 7. Donc, vous avez les bougeoirs, vous avez le plateau, vous avez le diffuseur. Il y a cette pièce. Hein. Hop, on va lire... Non, ouais, il y a le plateau. 1, 2, 3. Les bougeoirs, vous avez les petites bougies. Il y en a 3. Et vous avez le diffuseur et un sachet. Hop, vous savez, le sachet, c'est, à mon avis, je sais pas. Ça doit être des petits trucs de galets. Mais je vais l'ouvrir. Je vais vous faire une vidéo de celui-ci. Comme ça, on va regarder ensemble. Il y a 7 pièces. Il a 8,95, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ça, ça va être trop, trop beau. Donc, voilà, les amis. Ma vidéo se termine ici. Il faut savoir que tout ce que j'ai acheté là aujourd'hui, j'en ai eu pour 153 euros. Donc, franchement, j'ai été vraiment surprise à la caisse parce que je pensais payer beaucoup, beaucoup plus cher. Mais je trouve que... Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que je m'en sors très, très bien. Et il faut savoir, je vous ai dit, vous savez, les grandes planches. Hop là, je vais vous montrer... Les grandes planches comme ça, faut savoir que j'en ai pris 4. Donc, j'en ai pas pris qu'une seule, j'en ai pris 4. Plus, j'ai repris 2 petites aussi. Donc, voilà. Franchement, niveau déco, je suis vraiment satisfaite de mes achats. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, ben, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !